au coup dur qui est porté à la campagne de vaccination. Oui, hier, alors que les pharmacies avaient commencé à vacciner avec AstraZeneca, que les rendez-vous étaient pris chez les généralistes, Emmanuel Macron a annoncé le coup d'arrêt. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet. L'EMA, l'Agence européenne du médicament, dont l'avis est attendu jeudi. En attendant, ceux qui devaient se faire vacciner sont perdus. J'ai un rendez-vous que j'ai confirmé chez mon médecin traitant jeudi. Mon mari a été vacciné, donc si c'est suspendu, ça va faire une situation très bizarre où dans le couple, il y en a un des deux qui sera vacciné, l'autre pas. Je devais me faire vacciner le 19. J'avais la boule, je savais pas comment annoncer à mon médecin que je voulais pas le faire le 19. Non, ça me rassure.